Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Alors, si parfois vous vous dites, mais je comprends pas, les choses marchent pas comme je veux, c'est pas fluide, je m'attendais pas du tout à ça, ou je pensais pas que telle situation ou telle conversation allait tourner de cette manière-là, je me rends compte que quand vous me parlez de ça en séance, j'aborde très souvent l'idée de l'intention, de poser une intention. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, du pouvoir de l'intention, qui est en fait de... Une intention, c'est très simple d'une certaine manière, c'est de quoi avons-nous l'intention pour telle situation, pour tel projet, pour telle discussion qu'on compte avoir avec quelqu'un. Donc l'intention, c'est le désir qu'on a à l'intérieur de nous de... que les choses se passent de telle ou telle manière. Donc, c'est à pas confondre avec le contrôle. Très souvent, quand en fait on décortique un petit peu en séance, on essaie de comprendre à quel endroit les choses bloquent, pourquoi c'est pas fluide, pourquoi vous avez toujours l'impression de vous battre ou d'être en lutte, avec votre vie. Et en fait, on se rend compte que il y a deux modes que vous activez très facilement et vous oubliez un mode qui est en fait celui le plus transformant et celui qui porte vraiment ses fruits. Les deux modes que vous activez, de façon, on va dire, inconsciente, c'est le premier, le mode contrôle. C'est même plus une intention, ça devient une injonction. Ça veut dire que vous vous dites, je veux ça, je veux avoir ça, il faut que j'arrive à ça. Et donc, en fait, vous mettez un peu en bataille vers le truc et vous êtes en mode, justement, plus injonction que intention. En tout cas, vous êtes tellement tendu sur l'objectif que vous êtes dans une phase d'extrême contrôle, de volonté de maîtriser. Et donc là, on n'est pas du tout... Il manque une sorte de, on va dire, lâcher prise, même si vous savez que j'aime pas trop ce mot. En tout cas, une sorte d'abandon un peu à la vie. Et donc... Quand on comprend ça, souvent on peut partir dans une autre extrême, dans un autre extrême qui est un fonctionnement pareil qui arrive rapidement, qui est j'arrête de contrôler, je fais plus rien, je ne verbalise plus mes désirs, mes souhaits, je mets plus, enfin voilà, on verra bien ce que la vie me réserve, je me laisse porter par la vie, voilà. Et à cet endroit-là, bah, qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est qu'il se passe rien non plus, ou ça ne se passe pas comme vous voulez, pour la simple et bonne raison que il manque dans ce lâcher prise quelque chose qui vient de vous, qui émane de vous. Il faut pas oublier qu'on crée notre réalité, qu'en fait ce qui se passe dans notre vie, on a toujours une part de responsabilité et ça part toujours de nous. C'est un peu nous le chef d'orchestre, en fait le maestro de notre vie. Et donc c'est important de, si vous avez un concert à donner, de savoir déjà quel type de musique vous voulez jouer, d'être en fait quand même très clair sur 2, 3, 4 choses. Après, ça ne vous empêche pas l'improvisation, ça ne vous empêche pas parfois de dire ben, « je sens qu'il faut que je lâche la baguette du chef d'orchestre enfin, ». Voilà, il y a plein d'ajustements qu'on peut faire. Mais il y a quand même des choses qui sont pour vous, dans vos valeurs, dans vos envies, dans vos besoins, dans vos désirs, qui sont fondamentaux, auxquels vous ne voulez pas déroger. Et ça, ces buts-là, ces désirs-là, c'est très important d'être très au clair avec pour pouvoir les déposer en intention. Je vous prends un exemple. Si vous avez une discussion avec quelqu'un, vous savez que ça va être challengeant parce que cette discussion-là vous challenge pour X raisons, que vous n'êtes pas à l'aise, que vous avez peur de vous disputer alors que dans le fond, vous ne voulez pas. Et bien, vous pouvez poser l'intention d'une conversation constructive. Ça paraît con, ça paraît bête, mais en fait, quand vous arrivez avec cette intention dans votre tête, dans votre cœur, et que vous vous dites, la seule chose que je veux, c'est qu'on ça aille bien, que ce soit constructif, qu'on s'aime, qu'on se déchire pas, qu'on se fasse pas de mal, croyez-moi, ça va beaucoup mieux se passer que quand vous arrivez sans rien, avec juste votre sujet de la conversation qui vous travaille, qui vous challenge, qui... Parce qu'en fait, il y a un truc à comprendre, c'est que l'intention, elle permet de prendre une place, en fait, de poser un cadre et de... Elle est présente, en fait, l'intention dans votre vie. Et quand il n'y a pas d'intention, eh ben, la nature a horreur du vide. Donc, en fait, vous laissez la vie, donc le stress, les événements, les machins, vous balancez comme un peu un vent qui vous balancerait de droite à gauche en fonction de par où va souffler le vent. Vous n'allez pas être forcément ancré. Alors que quand vous avez une intention ferme, un ancrage ferme sur ce que vous voulez voir vivre, que ce soit dans la discussion avec cette personne, que ce soit, moi en ce moment je suis en train de faire un gros projet de vie, concrètement dans les actions du faire, on n'a pas fait grand chose. Mais tout est très très fluide parce que par contre ce qu'on a extrêmement travaillé avec mon mari, c'est nos intentions. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on le veut?
comment on visualise le truc. Voilà, tout est très clair et avec une intention posée que faut que ce soit fluide. Si c'est pas fluide, on le fait pas. Et d'être extrêmement raccord à l'intérieur avec ça. Et donc derrière, ça permet de pouvoir s'abandonner à la vie, ça permet de pouvoir agir quand il faut, mais sans être dans le contrôle. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, de ce pouvoir de l'intention. Est-ce que vous, vous mettez de l'intention dans votre vie? Est-ce que parfois, vous vous préparez dans votre tête, avant un coup de fil, alors, à mettre l'intention qui est importante pour vous? Vous pouvez mettre des intentions d'amour, vous pouvez mettre des intentions de régler un problème, vous pouvez mettre des intentions de douceur, vous pouvez mettre des intentions de que les choses voilà, avancent mais se passent de manière très fluide. Vous pouvez mettre l'intention de ne pas, je sais pas, de pas dire non alors que vous pensez oui, l'intention de garder votre cap. Voilà, il y a plein de façons de poser des intentions, vous avez trouvé la vôtre, mais je trouvais intéressant quand même de vous partager ce petit tips qui permet, quand on pose une intention, d'être très ancré, très aligné et de ne pas se laisser justement envahir par plein d'autres choses. L'intention a ce mérite-là. Quand il est là, bah, ce n'est pas la vie qui se sert de vous, c'est vous qui insufflez et qui faites une équipe avec la vie pour aller vers vos désirs. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines avec grand plaisir. Ciao.